je pouvais vraiment plus le saquer. Et je suis presque sûr que lui non plus. J'étais en train de digérer ta mort, et avec toute sa frustration de ne pas trouver le trésor, je suis à peu près sûr qu'il était prêt à me tuer au moment où je suis parti. Imagine ce qu'il serait prêt à te faire maintenant. Je préfère éviter. Sam, écoute, il est impitoyable. Encore plus que quand on faisait équipe avec lui. J'ai entendu de ces trucs. Fais-moi confiance, toi aussi. J'ai plein de raisons qui me font croire que tout va bien se passer. Parce que tout ça, c'est dans la tête de Nathan. Le parc de la cathédrale. Ouais, un peu. Mais ça fait longtemps, alors. C'est un peu flou. Une grue, des explosifs. Je crois que voler la croix a rendu ce cher Rafe un tout petit peu nerveux. Ouais, un poil nerveux. Ça a dû être un choc pour Avery d'arriver ici après avoir vécu aussi longtemps sous les tropiques. Ah, ça j'imagine pas bien. Ah bah oui, forcément, avec ton séjour en prison. Ouais, tu peux pas imaginer à quel point le froid m'a manqué. Qu'on a un fan de feu d'artifice dans le coin. Il a surtout l'air désespéré. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de glissade. Ça me manquait. Drôle de rocher. C'est un peu haut. Ouais. Il faut qu'on trouve un autre moyen de descendre. C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est... D'accord.
problème, c'est que si je glisse là, je me fracasse la gueule par terre, quoi, donc... Je peux pas remonter. Je peux pas aller par ici. À part tenter de me suicider. Je vois pas trop ce que je peux faire. Bon bah. Il a toujours son... Merde! Qu'est-ce que c'est? Voilà, d'accord. Je vois pas. Je fais quoi là? Je glisse, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. D'accord, ok, j'ai compris. Ça devrait tenir. Oh, bien vu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du matériel d'excavation. Shoreline? Quoi? Regarde. Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Regardez, merde! Planque-toi! Calme-toi, cet enfoiré! Ah, enfin, je vois mieux! Mais pas trop tôt. Ah, merde! J'attends qu'il monte. Et où le... C'est bon. Quoi, c'est ce que... Moi aussi, j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait. Et on dirait qu'il cherche à l'extérieur de la cathédrale. Ce qui veut dire qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. Attends, le mec, il sort de prison. Vous n'avez pas pensé à chercher sous la cathédrale? Ah, si, on l'a fait. Un peu. Mais cet endroit est tellement grand que, franchement, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ou chercher une aiguille dans un baril de poudre. Alors tu crois qu'on va trouver une tombe où il y a écrit C.J. Henry Avril, brave fils et ces pirates reconnus? Non, ça m'étonnerait. Je crois pas qu'il ait pris tant de précautions à cacher ses traces pour mettre son nom sur une pierre. J'aime pas quand l'IA tue les ennemis à ma place, ça m'énerve. Oh putain, dis... Putain, le bestiau, il s'est barré.
C'est quoi cet endroit ? La vie des moines était partagée entre plusieurs bâtiments, le principal étant à côté du cimetière. Plutôt sympa, la déco. Encore des équipements de Shoreline. On a du bol, il n'y a pas de gars de Shoreline. Si ça se trouve, ils se sont fait sauter la paillasse tout seuls. Qu'est-ce que tu paries ? Oui, de la dynamite. Hé, tu fais gaffe avec ça. Ça y est, j'ai ouvert la porte. C'était légèrement bruyant. J'espère qu'ils nous ont pas entendu. Ça explose de partout, alors ça passera peut-être inaperçu. Regarde, on pourrait passer par le toit. Mais c'est beaucoup trop haut pour nous. Faut qu'on trouve un truc sur lequel grimper. Ouais. Bye la porte. Tu te démerdes bien avec ça. Tu sais, j'ai fait sauter pas mal de trucs dans ma vie. Regarde, on pourrait utiliser ça pour grimper et sortir. Et merde. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Je les vois, juste là ! Attends, ils nous ont vus ! Bien tenté ! Allume-les ! Reste alors qu'ils changent ! Oh non ! Nathan ! Ah bah tiens, on peut les voir à travers...
Je les vois pas, ça fait... Ouais, c'est bon. R.A.S. pour l'instant. Et toi? Rien ici non plus. Je pars en reconnaissance. Moi, je reste dans le coin. Compris. S'il te plaît, ça serait pas mal. Vous pouvez dégager. Ref. D'accord, on voit leur apparence uniquement quand ils s'arrêtent et ils parlent. Enfin, quand ils s'arrêtent de bouger, quoi. On voit leur silhouette. Sinon, quand ils se déplacent, on les voit plus. Bon, pour l'instant, j'en compte 4. Ça va être chaud pour les avoir. Je pourrais la voir, mais putain... C'est trop éloigné. Attends, il y en a encore un. Putain, ils sont 5 maintenant. Enfin, ils sont 5, je veux dire, ils sont 5, quoi. Pas maintenant, ils ont toujours été 5, mais bon, bref, enfin, on s'en bat les couilles. Allez, mais rapprochez-vous, les mecs. Je peux me rapprocher d'eux. J'ai une douleur à la gorge, c'est chelou ça. Je pouvais en éliminer un. Ça serait pas mal. Il a l'air d'être tout seul là. Nous sommes les intellectuels du jeu vidéo. Nous sommes les têtes pensantes du jeu vidéo. Non, t'es juste un testeur à la con. Calme-toi, Coco.
Te laisse pas emporter par ta connerie. Hein. C'est clair, t'es pas con, mais lève le pied, lève le pied. Oh putain. Lève le pied. Qui a failli me repérer. À tous les coups, il y en a un qui va voir l'autre qui est par terre. Mais là, je peux rien y faire. Je peux pas déplacer le corps et tout. Donc... Il va y avoir un de ses potes qui s'est fait tabasser. Ah, il va le voir. Il l'a vu. Attends. Il s'est fait buter. Chut. On a de la compagnie. Déployez-vous, couvrez tous les côtés. Il se rapproche. Bon, ils vont par là. Ah, mais il y a son pote avec lui. Y'a rien. T'as quelque chose ? Rien de mon côté. Je prends le côté 1. Le 3 est pour toi. Fais gaffe. Putain, j'aimerais bien tous les éliminer en mode discret. Ça serait cool. À la Batman Arkham. Bon, Batman Arkham, il est un peu trop... Bon, bref. Bref, et pas brof. Ils reviennent tous par ici. Ils sont trop ensemble les mecs, hein. Tous ensemble. Attends. Putain, ils sont trop ensemble. Ah putain, il y en a deux. Ah, ils m'ont entendu. Ils ont rien entendu du tout, ouais. Putain, mais ils sont deux les mecs, là. Aucun signe de lui. De ton côté. J'ai rien du tout. Allez voir là-bas, je m'occupe de ce côté. Bien reçu. Et merde. Nathan, il en avait marre de la vie. Nathan en avait marre de la vie. Il supportait plus sa vie de merde. Merde, je dois les rescanner. Je
pouvais. Ah merde. Chier putain. Allez, fais tes prières. Avant de faire ça, je vais les scanner parce que... Parce que c'est... Je sais pas d'où il venait l'autre enculé là. Mais il m'a repéré. D'où il venait ? Putain, ils ont décidé de plus bouger. C'est quoi ce bordel? Mais pourquoi ils bougent plus? Attends, il y a un problème, il bouge plus du tout là, c'est pas pratique. Ça continue, je vais être obligé de la jouer à la bourrin. Ouais. Par où t'es parti ? Merde, mais cache. Putain, il fait chier, merde, mais. Je l'ai pas vu celui-là. Empêche-le de bouger. T'en sortiras pas. Comment j'ai fait pour pas le voir, putain? J'ai pensé j'ai regardé. Putain l'enculé. Alors, il y a l'autre gogol à se mettre là. Et donc, il y en a un, il est juste là. Putain, mais je l'ai... Ah, si, c'est bon, je l'ai vu. Ah, je peux l'avoir discretos. Voilà. C'est un truc de ouf, putain. Ah ouais, il était bien caché, impossible à voir. Par contre, comment je remonte, moi? Ah oui, d'accord. Je suis baisé. Comment je remonte? D'accord. Putain.
vais te trouver. On sent enfin à se déplacer ces cons là. Chier. Y'a quelque chose? Moi j'ai rien du tout. Rien ici non plus. Va par là-bas. Moi je vais par là. Compris. Quelque chose? Rien, vieux. C'était rien. Trouvez un truc. Allez, bouge, bouge. Hey, tu m'entends? Putain, c'était... C'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Un homme à terre par ici. On n'est pas tout seul. Oh, on se déploie. On se déploie. J'oublie les hautes herbes. Parce que moi j'ai rien. Rien ici non plus. Il faut qu'on le force à sortir de sa planque. Pas de problème. Les hautes herbes magiques. Bah oui, j'aimerais dissimuler son cadavre, oui, bien sûr. Vas-y, viens, 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 rapproche-toi, rapproche-toi. Oh,
D'accord, bien joué. Ça aurait pu mal tourner. Ouais. Allez, on se tire d'ici avant que quelqu'un s'en aperçoive. Bon, c'était pas super, mais voilà quoi. Je sais pas ce qui se passe avec Sony, mais j'ai l'impression qu'ils ont lâché de gros chèques. C'est vrai que les jeux qu'ils font sont pas dégueux, mais de là à ce qu'ils aient des bonnes notes partout, ça me paraît bizarre. De là à ce qu'ils soient encensés comme ça, c'est chelou. Ça sent le gros chèque. Hein. Ça sent le très très gros chèque. Ça sent la... Ça sent le testeur à pute. Ça sent la pute testeur, quoi. La grosse pute testeur. Ah, ouais, c'est vrai. J'avais oublié, avec toutes ces aventures, j'avais oublié que je devais ramener le machin jaune, là, pour me permettre de grimper. La grosse pute testeur. Là, allez, on y va. Oh, mon Dieu.